Bonjour! Dans la série du grand burn-out, les collègues. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange au niveau d'un collègue? Pire, de plusieurs collègues. Genre au début, putain, le bol de travailler avec un mec comme ça, il est sympa. C'est vrai qu'il est sympa, hein. Il est super sympa. Il est trop gentil. Trop. Ouais. Il se fout de ma gueule! Ben ça, c'est ce qu'on appelle un bel enfoiré d'hypocrite de merde. Moi aussi, je t'aime bien. C'est le collègue qui vous casse toujours par derrière et devant vous, il est tellement gentil. Oui, celui-là. Alors, comment reconnaître ce collègue-là d'un autre collègue? C'est là tout le dilemme. Oui, comme c'est mon premier jour et qu'on m'a pas donné mes horaires, à quelle heure tu veux que je vienne demain? Ah, 16h20, ça suffira. Merci, qu'est-ce qu'il est sympa. Oui, allô? Allô, monsieur Marcartou, mais vous êtes où? Ben, votre collègue est tout seul pour préparer le matériel. Hmm? Normalement, vous êtes censé être là à 16h15 pétante. Ah, ben, commencez bien en tant que nouvelle recrue. Bravo, le bureau du personnel. Encore recruter une feignasse. Oui, mais on vous attend. Je vais arriver, hein. Si vous voulez garder votre place. Allô? Putain. Hé, hey, Joe, tu veux un café? Ah, ben oui, alors. Oh, alors ça, t'as même mis un sucre. Oh, ben tu me connais par cœur, toi, hein. Oh là là, oh, il est tout chaud, il est tout bon. Hey Joe, tu veux un café? Oh, il est tout chaud, il est tout bon. Ah, c'est normal, hein. Eh ben ça va pas, ça reste entre nous, hein. Ah oh, mais tu sais bien que je suis une tombe. Ah, j'ai une putain de gastro, je te dis pas, j'arrête pas de péter et chier depuis ce matin. Mais si tu me vois faire des allers-retours, c'est normal, hein. C'est pas marrant, j'ai déjà une gastro, moi, pouf, c'est terrible. Bon, je te laisse parce que là... Ah, stop, stop. Tu vas à la photocopieuse, à côté du bureau de Stéphane. Oui, je vais à la photocopieuse, pourquoi? Ouh, évite, hein, parce que là, j'en viens, ah. Je te dis pas, ça sent pas la rose, hein. D'accord. Il s'est chié dessus, ah. C'est une infection. Et surtout, ça reste entre nous. Eh hey, les gars, n'allez pas à la photocopieuse, Stéphane, il s'est chié dessus, c'est une infection. Alors, mon petit Stéphane, c'est quoi le problème? On s'amuse? Mais Hein? On glandouille? Moi, j'en ai maté des plus costauds que vous, hein. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil, mon petit gars. Je vous ai à l'œil. Ah non, mais moi j'en peux plus, hein. C'est terrible de travailler avec lui, hein. Vous voyez, il est encore en train de glander, moi j'en ai marre. Vous savez, monsieur le directeur, hein, je me tape tout. Je vais m'occuper de lui, vous allez voir. Merci, monsieur le directeur. Alors là, j'ai rien compris. Il est arrivé énervé, remonté. Ouais. Juste là, je crois qu'il avait besoin de se défouler, c'est tombé sur toi. Ouais. Des fois c'est sur moi, là c'est sur toi. Te prends pas la tête, de toute façon, ouais, je te protège. Je lui ai dit que t'étais monté en haut, porter le gros colis au troisième étage, là, voilà. Et merci, heureusement que t'es là, hein. Merci, hein. Putain, t'es gentil, hein. Vraiment, t'es gentil, merci. Je te protège. Et confiance. Alors là, Jojo, tu vas nous manquer, hein. Ton dernier jour. Vraiment, Bah sans toi, on va être orphelin, hein. Ah, tu vas trop nous manquer. Il va nous manquer, oui, il va beaucoup nous manquer, beaucoup. On t'aimait tellement. Oui, on t'aime beaucoup. On t'a beaucoup aimé. Prends soin de toi. On va être orphelin. Et merci d'avoir eu confiance toutes ces années. Bon débarras. T'es un boulet ce mec. Et puis il était mauvaise langue. Enfin, j'espère que le bureau du personnel ils vont mieux recruter. Hein. Ouh, putain, c'était long. Connard. Eh, je lui donne pas un mois, il crève. Ouais, classique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les pires histoires que vous avez eues avec vos collègues. Ça peut être intéressant, ça, tiens. Et puis, à bientôt. Ça, c'est spécial dédicace pour toi. Tu t'es reconnu? Toi, là. Oui, toi. Là, tu. Imaginez ceci, après ça va être qu'il y a le bout. Imaginez, hein. Voilà. Il y a un bout un peu plus arrondi. Vous enfilez, voilà, le préservatif, délicatement. Voilà. Vous le mettez jusqu'au bout. Ça sent cramé ou c'est moi? Il y a une drôle d'odeur ici. Vous pouvez le voir de plus près. Voilà. De tout bête, de tout simple. Hop, on dirait une espèce de petit sous-marin.